Bon bah les pipotes, je vais être sympa ce matin. Bah ça fait longtemps que j'avais plus fait les vidéos comme ça. Et là, je vais vous expliquer un petit truc. Envoyer une petite crotte dans la gueule des blaireaux. Mais avant toute chose, petit rappel. Petit rageux, regarde bien. Bah le jour se lève, pour toi il est temps de bah, d'aller dormir, hein, puisque tu bosses pas, t'es au RSA, tu comprends? Faut que tu dormes bien pour que demain tu sois bien en forme pour faire une dizaine de faux profils pour raconter de la merde sur ma chaîne, tu vois. Ben, pendant ce temps, ben, moi j'ai rencard avec un pote à moi qui arrive de Vienne, tu vois. Et même par temps d'inflation, on va faire un peu de business. On va pas prendre de masse, mais on va faire un petit peu de pognon, tu vois. Et grâce à ça, par exemple, ben, je m'achète des trucs comme ça, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Alors n'oublie pas de continuer à tirer vers le bas ceux qui montent. Le seul que tu vas tirer vers le bas, ben c'est toi, forcément. Bon, ben je lance un concours pour les rageux. Le meilleur commentaire de rageux, je lui offre un t-shirt avec brodé ici en tout grand RSA. Ben ouais. Bon, ben je te remonte encore une fois, hein. C'est sympa quand même, hein, petit rageux. Bon, bah, la plupart d'entre vous, vous avez vu cette vidéo, mais maintenant, je vais vous expliquer, bah, de quoi il en ressort. Bon, bah, cette vidéo, c'est pas pour me la raconter, tu vois, ni pour me vanter, mais juste pour, bah, pour vous montrer que, bah, avec un petit peu d'imagination, de créativité et surtout de débrouillardise, eh ben, il y a encore moyen de se faire un petit peu de pognon en faisant des petits business, mais, bah, évidemment, des petits business qui vous emmènent pas en prison, hein, évidemment. Bon, ben, commençons par le début. Alors, tout commence, comme d'habitude, ben, par un contact. À Vienne, en Autriche, ben, un copain à moi iranien, qui s'appelle Amir, que vous connaissez. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, je crois, il y a un an et demi, quand il préparait, ben, un concours pour sa carte pro. Ok? Tiens, en fait, tant que je suis là et tant qu'à faire, entre parenthèses, je vais vous parler très brièvement de Amir et de bodybuilding, tu vois. Lui, bah, c'est plutôt le bodybuilder saisonnier. Ça veut dire quoi? Ben, bah, il fout rien de l'année. Et si jamais ça lui passe par la tête de faire une compétition, voilà que je me bourre le cul comme un malade, je vais en compétition, et puis directement après le reste de l'année, ben, bah, je ressemble à une personne lambda, tu vois. Des gars comme moi qui ont réellement la passion pour ce sport, quelle que soit la forme, ben, bah, on est toujours à la salle. Vous le voyez avec mes lives tous les jours, j'en fais de nouveau pas mal pour le moment. Et c'est ce que je fais tous les jours depuis 39 ans. C'est pas juste à cause des vidéos de YouTube. C'est comme ça que je vis, tu vois. Bon, continuons notre histoire. Donc, je disais, comme tout business, ça commence par un contact, à savoir donc Amir, qui m'appelle il y a à peu près 2 semaines de Vienne et qui me dit, Alberto, écoute, j'ai un bon business. J'ai quelqu'un ici qui a besoin de pneus d'occasion de voiture. Beaucoup de pneus. Est-ce que tu peux trouver ça? Bon, ben moi, faut le savoir qu'à Budapest, entre autres aussi, j'ai une vie de SOS Budapest. Quoi que vous ayez besoin, quel est le problème? Ben vous m'appelez et je vous résous ça. On n'a qu'à demander au philosophe, il en sait quelque chose et pas mal de gens d'ailleurs. C'est toujours moi qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose. En dehors de ça, on n'appelle jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que vous allez apprendre dans la vie, tu vois. Vous n'entendez pas beaucoup parler des autres, mais quand ils ont besoin de vous, croyez-moi qu'ils se souviennent de vous. Ben donc du coup, il faut que je trouve des pneus d'occasion, tu vois. Or, j'habite en Europe centrale, une région des Balkans, et ici, le marché de l'occasion, ça existe depuis toujours. Par exemple, ici, quand vous allez dans les centres commerciaux, eh bien, des magasins de téléphones d'occasion, donc des GSM, des téléphones portables, ben, ça fait légion, ça pousse comme des champignons là partout, tu vois, et il en va de même pour les pneus d'occasion. Donc les Hongrois, comme pas mal de gens dans les pays du Balkan, n'ont pas beaucoup d'argent et quelquefois, ben, ils ne peuvent se payer que des pneus d'occasion pour changer leurs pneus à user, tu vois. Alors question pneus pour les véhicules, s'il y en a un qui s'y connaît, ou en tout cas qui sait où les trouver, c'est bien moi. Avec une chier de bécane dans mon garage et ma voiture, ben, forcément que ça m'arrive de changer les pneus, ben, assez souvent. Donc, ben, je sais où les trouver. Ben, du coup, j'ai pas dû aller bien loin. Il y a 2 marchands de pneus pas trop loin de chez moi, en tout cas à moins de 2 km. Et j'ai été voir ce qu'ils avaient comme stock. Et donc, j'ai recontacté Amir pour lui dire, il y a du stock et à peu près le nombre de pneus que j'ai trouvé. Alors, pour faire ce business, il fallait mettre de l'argent, d'accord? Donc, Amir a dit, je mets 1,5 million, toi, tu mets 1,5 million. Ça nous fait,
Ben, 3 millions de forint. Alors, en temps normal, je dis bien en temps normal, ça veut dire quand il n'y a pas de crise, quand l'euro n'est pas à un taux complètement débile et aberrant par rapport à d'habitude, eh bien, c'est l'équivalent d'à peu près 10 000 euros. Évidemment, si tu vas maintenant, à l'instant même, sur un calculateur de devises en ligne, forcément que 3 millions, ça va donner beaucoup moins en euros, tu vois. Mais la valeur en Hongrie, ben, en forint hongrois, ça reste une valeur de 10 millions. Mais, ben, c'est là qu'est le nerf de la guerre. Ben ouais. Parce que nous, évidemment, on achète en forint hongrois, mais on revend en euros. Bah du coup, pour être plus précis, nous, on achète des pneus d'occasion au prix du marché hongrois, d'accord, avec des forints hongrois, bah, qui vont être revendus en Autriche au prix du marché autrichien et en euros. Donc au final, nous, bah, sur notre mise de 3 millions de forints, on récupère des euros. Donc forcément, comme nous, on vend au détail, bah, on va doubler la mise, à peu près. Donc moi, de mon côté, j'ai mis 1,5 million et je récupère 2,9 millions sans rien faire. Aussi simple que ça. Enfin, si, quand même un petit peu, j'ai un petit peu aidé à charger les pneus, mais sans plus, tu vois. Alors, il faut savoir qu'1,9 million de bénéf, en temps normal, on va dire, c'est à peu près l'équivalent de 6 000 euros, tu vois. Bah ouais, ça fait quand même du bien. Par où ça passe? Bah ouais, forcément. Moralité de l'histoire, petit blaireau, bah, continue à rager tant que tu veux sur ma chaîne, ben mec, ça va rien changer. Ça va rien changer. Moi, je continue d'avancer et toi, tu recules. Et si tu recules, comment tu veux que je te... Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais.